Bonjour, vous voulez connaître vos prévisions érotico-sentimentalo-sexuelles? Ne bougez plus, voici votre lovescope. Taureau, ces jours d'humeur militante, vous défendez le mariage pour tous et à plusieurs. Doucement, on fait du chemin, on avance, c'est bien, mais là vous êtes loin devant quand même. Gémeaux, votre copain va vous envoyer lui acheter des préservatifs taille XXL. Et ça n'existe même pas le triple XL. On trouve que petit, moyen, grand ou super vantard. Cancer, votre copine sollicite votre attention alors que le match va bientôt commencer. J'ai la solution. Comme votre équipe préférée, pensez droit au but. Elle vous apportera ensuite votre bière avec le sourire. Au fond, vous êtes gagnant sur tous les plans. Lion, vous êtes le signe sexy de la semaine. Vous êtes magnétique, vous êtes magique. Vous méritez qu'on arrache tous vos vêtements un à un avec les dents et qu'avec un fouet on... Oui, non, oui, t'as raison, Valérie, je m'emballe. Vierge, vous allez vous faire opérer de l'appendicite. Pas de panique, vous allez voir, ça va faire comme avec votre ex-mari. Une fois qu'on vous l'aura enlevé, vous réaliserez qu'il ne vous servait à rien. Balance, cette semaine, vous allez draguer une super meuf, mais elle va se révéler être une de ces bimbos toutes trafiquées. Elle devra d'abord enlever son triple push-up, puis sa perruque, ses fossiles, ses faux ongles. Sortez-vous de ce traquenard avec humour. Dites-lui que Popol, et vous l'avez oublié dans votre autre jean. Scorpion, vous êtes comme plein d'autres gens, vous savez, hein. Votre sexualité dépend de certains facteurs. Bon après, rien n'empêche d'élargir son horizon, hein. Je pense aux pompiers, aux employés du gaz. Sagittaire, vous n'arrivez plus à désirer l'autre, vous complexez tout le temps, vous pensez être devenu anorgasmique. Je vous rassure, c'est impossible. Il vous faut juste un plat qui vous mette en appétit. Capricorne, en ce moment, deux hommes essaient de vous séduire. Un optimiste, convaincu qu'il va parvenir à coucher avec vous. Et un pessimiste, qui est sûr qu'il couchera avec vous, mais après l'optimiste. Verseau, vous êtes le signe sexuellement malchanceux de la semaine. Vous provoquez un rejet massif autour de vous. On vous tire la langue, on vous tire les cheveux, on vous traite de tous les noms. On vous jette des pierres, on tue... Ah, raison, Valérie, je m'emballe. Poisson, en ce moment, vous vous sentez moche. Vous êtes convaincu de ne pas pouvoir draguer. Ben, au moins, vous êtes objectif, hein. Voilà un point fort. Faut pas toujours voir le mal partout. Bélier, vous vous ennuyez beaucoup en faisant l'amour. Oui, ben, je suis désolée, hein. Je ne peux pas être partout. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, passez des nuits aussi douces que torrides.